Allez, bonjour tout le monde, c'est parti, on reprend l'aventure là où nous en sommes restés. Et c'est parti pour un nouvel épisode du périple sur le mode Native Expansion sur Mountain Blade Warband. Alors, on était restés. Oui, c'est vrai que là, les Vhagir avaient bien poutré les Nordiques, tout ça. Enfin, je vous montre vite fait la carte du monde pour vous montrer que les Garigits, c'est quand même, mais sortent un petit peu du lot, que les Sogdiane reprennent un peu du poil de la bête comparé à avant où ils avaient quand même subi de très lourdes pertes, et les Nordiques qui sont presque morts, les Vhagir, notre faction qui se débrouille plutôt bien, et les Saramosh qui, après avoir subi beaucoup d'attaques de la part des Chevaliers Noirs, reprennent aussi un peu du poil de la bête. Donc très bien, donc ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu d'épisode du périple, c'est normal hein, parce qu'en fait j'étais un peu, j'étais en repos, voilà, tout à fait, étant donné que pour moi c'est bientôt les vacances, mais j'étais dans une phase un peu comment dire, je dirais pas que je n'avais plus envie de tourner ou quoi, qu'est-ce de plus travailler pour la chaîne, mais je disais, enfin comment dire, je n'avais plus la physiologie, je sais pas si on peut dire ça comme ça, je n'avais plus la forme, la patate pour tourner ou pour travailler, donc c'est pour ça que la chaîne a tourné un peu à vide après l'épisode de Calradia, où je m'étais donné à fond pour l'épisode, et puis ensuite j'ai fait une semaine de pause. Ça m'a fait comme le plus grand bien, étant donné qu'ensuite, au niveau de l'université, j'avais quelques trucs à faire, et que ça n'est. Voilà, il fallait quand même que je choisisse mes priorités. Et donc j'ai vite choisi. C'est pas à cause de vous, hein. C'est normal, c'est humain de quand même de choisir un peu sa vie irréelle après ses travaux sur YouTube. Enfin, avant ses travaux sur YouTube. Donc en fait, là, je vais continuer à progresser, à former ma petite armée de volontaires. Oh, putain, 11 recrues directes, ça fait du bien. Il faut que je les entraîne, mais il n'y a pas de compétences mentor, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile d'entraîner les recrues. Et pour cela, il faut les envoyer au casse-pipe contre des bandits, il n'y a pas tellement de choix. Et d'ailleurs aussi, en parlant de l'épisode Calradia, j'ai presque terminé le recrutement. Tout ce que j'ai besoin maintenant, c'est d'un rôle féminin, si possible, avant que je commence pour de bon à écrire l'épisode 3. Donc s'il y a quelqu'un, enfin une fille qui se déciderait en fait à participer au projet, n'hésitez pas, mesdames, hein, vous êtes les bienvenus. Je ne suis pas sectaire, on n'est pas sectaire. Et on prend volontiers des rôles féminins, il n'y a aucun souci. Alors, grossiste. Oh putain, le fer! Oh, le pognon, le pognon! Le pognon! Le pognon, l'oseille, l'oseille qui descend. C'est parti, mon kiki. Le fer, on va l'acheter. Ah oui, mais attendez, j'ai peut-être une ferronnerie ici, enfin une forge. Ouais. Ouais, là, c'est parfait. Comme ça, on va laisser un petit peu de fer à mon gaillard. À mon forgeron, et on va les vendre la grosse partie ailleurs. Alors, il faudrait quand même que j'aide un petit peu mes gars à attaquer les Nordiques. Nous sommes aussi en guerre contre les Rodoks, mais mis à part des escarmouches comme ci, comme ça, je pense pas qu'on va vraiment attaquer. Enfin, c'est Lyanne à côté, elle peut attaquer le château de. Un château ou une ville quelconque qui a des kilomètres de là, c'est pas impossible. Étant donné qu'en fait l'IA attaque la ville la plus proche de la frontière, mais comme les frontières sont tellement floues dans leur bande, ça peut aller très très loin. Oula, j'ai fait un petit truc qui ne. Ah ouais, est-ce que j'ai pas enlevé les cheats? Eh merde, j'ai pas enlevé les cheats. Attendez, on va faire ça. Hop là! J'avais mis les cheats hein, étant donné que j'avais besoin de. Ah! J'ai besoin de faire une petite manip. Bon, c'est pas grave. Je reviens. Voilà, c'est fait, c'est corrigé. Maintenant, il n'y a plus de cheat, comme vous pouvez le constater. Bon, c'est qu'en fait, tout simplement, je ne joue pas que au périple quand je joue à Warband. Et des fois, il m'arrive de faire des cheats quand je suis avec des modes ou quoi. Là, je crois que j'étais en mode cheat tout à l'heure. Parce que j'avais besoin de connaître un petit peu le background de quelques héros. Pour la série Calradia, donc c'est un peu. Ouais, donc en fait, j'avais choisi des héros, j'étais en mode cheat pour voyager rapidement sur la map et trouver les héros qui m'intéressaient. Mathilde, putain, mais ce nom quoi pour toi, ça te va absolument pas. Qu'est-ce que je fais ici? Ah oui, c'était Bundo qui était revenu. Voilà. On revient tout en haut. Qui c'est qui pourrait. Baisse dure, est-ce que je t'ai déjà envoyé?
Vas-y, je vais t'envoyer toi. On envoie les héros toujours pour augmenter le droit araignée. J'en suis dans combien? 27, c'est pas trop mal. Mais ça peut aller beaucoup mieux quand même. Et au niveau du charisme, j'en étais à ouf. 26, commandement 9. Ouais, bon, on va continuer quand même. Ah, mais là, c'est en territoire nordique, il ne faut pas que je recrute ici. Je ne veux que des Veigar quasiment pour mon armée. Une armée d'archers. Veigar, vous connaissez la chanson. Si vous suivez régulièrement le périple. Ah, il y a pas mal de bandits ici. On va essayer de tous les faire. Ah, pour les recrues, ça va être intéressant. Est-ce que je suis trop rapide? Non, je suis beaucoup trop lent en fait. Ah. 3. Ah non, je pourrais pas l'avoir. À moins s'il fait une connerie. À moins s'il fait une connerie. Non, je pourrais pas l'avoir. Je suis beaucoup trop lent. Fuck. Bon, on va aller un peu se décharger en vendant le fer que j'ai en trop. Déjà, ça ira beaucoup mieux. Ici, j'ai quoi là? J'ai une fabrique de velours. Très bien. Grossiste. On va tout vendre. Ta 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 ta. Là, on a environ à 150 de bénéfices par lingot de fer. C'est vraiment superbe. Est-ce qu'il y a du poisson? Un petit peu. On prend. Voilà, on n'est pas des vautours. Hop. Un peu de saucisse, hein, parce qu'on n'est pas radin. Et du pain, parce que le pain, ça donne beaucoup de morale. Et ouais, je vois aussi qu'il faut que j'augmente mon inventaire, parce que je suis très rapidement à bloc, et c'est pas normal. Gestion de l'inventaire 1, ouais, c'est pas assez. Faudrait que j'augmente genre un ou deux points d'intelligence, comme ça je m'en occuperai. En même temps, ça me fait des points supplémentaires pour les augmenter autre part. Bref, il y a du travail. Il y a du travail pour le niveau de mon perso. On est encore très très loin d'un perso idéal. Oh, ici c'est pas trop mal. Alors, on doit avoir celui-là. Hop! Allez, on se prépare. Putain, là on a en plus l'aide de l'IA. L'aide d'un seigneur quelconque à la con. Ouais. Toujours ces fameux bugs sont. Ça, on se refait pas. Ouh, il y a du combat ici? Ah ouais, déjà, carrément. Bon, bah les archers, allez-y. Hein. Les archers, allez ici. Hop, les fantassins juste devant. Puis les cavaliers là-bas. Alors, quand je fais ça, quand je mets le drapeau sur la map, en fait, je laisse appuyer F1 pour donner l'ordre aux gens, enfin, mes soldats. De rester, enfin de partir à l'endroit où je veux, donc je laisse appuyer F1. Ça permet effectivement de ne pas aller forcément aux endroits où on veut qu'ils aillent. Et pour ça, je remercie Aragox qui m'a donné l'astuce. Je n'avais jamais su l'astuce il y a quelques mois, il y a quelques semaines, quelques mois, je sais plus. Ça commence. Ah! En plus, il y a ma manette de Xbox qui. Ah! Je l'ai laissé brancher, du coup, quand je prends un coup, ça me fait un. Ça fait trembler la manette. Je sais pas si vous avez jamais essayé, hop, de laisser de la manette, oula, c'était un copain, de laisser la manette d'une Xbox branchée sur le jeu. Là, je l'enlève parce que c'est, voilà, c'est pas terrible, c'est vraiment pas terrible. Hop, et ben en fait, ça fait un truc, ça vous fait trembler la manette. Vous pouvez pas jouer avec, je sais pas si on peut jouer avec, mais en tout cas, je jouerai jamais avec parce que. À mon avis, jouer avec des parades comme ça avec la manette, ça doit pas être terrible. Mais je sais qu'il y en a qui jouent à Chivalry avec la manette, en tout cas, ça se fait. Ça se fait vraiment. Alors, on s'occupe de toi. Rendez-vous ou mourrez, là, on les fait tous. On se les fait tous. 5 points en renommée si on gagne, c'est cool. Avantage tactique 4, ouais, si tu veux. Oh putain, alors là par contre, vous allez rester là, vous allez tous rester là, les fantassins un peu là-bas. Les cavaliers très loin, j'en ai rien à péter des cavaliers, voilà, allez-y là-bas. Je vais rester là à cheval parce que j'ai pas d'arc. Voilà. Les fantassins chargés, hein, on est plus à ça près. Aussi les cavaliers maintenant. Oh, et je passe un level, ça c'est très bien ça. Aïe, je me suis trouvé. Mon canasson il est pas aussi maniable que l'ancien, j'ai l'impression. J'ai des vagues souvenirs. Bon, bref. Hop là! C'est parti, mon kiki. Ici, copain. Copain, 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 pas copain. Ah bah. Il s'est fait défoncer à la lance couchée, c'est nickel ça. Très bien! J'espère qu'on n'a pas eu de pertes parce que les recrues ont tendance à mourir prématurément. 8 blessés, un tué, c'était une recrue. Ok, y a rien à péter. Ça sert de prime. Alors, ça, c'est bien pour les mercenaires, ça, c'est cool. Je ne crache pas sur les mercenaires, ils sont très bien, les mercenaires, dans ce putain de mode.
Et les recrues, 21 plus, ouais! Ça fait des fantassins plein partout, wouhou! C'est nickel! Il est où le fantassin? Il est là. Hop, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai combien d'archers là? Master Warrior? Oh, non, largement assez. Faire des sergents, quand même, parce qu'on en a besoin, des fantassins durs à cuire. Hop là, et on prend tout ça. Peut-être pas trop, parce qu'après je vais être trop lent. Bon, nickel. Nickel, en plus j'ai passé un level, sergent. Varigan. Pas encore des Pikmin, on n'est pas encore au Pikmin. Les Pikmin, c'est vraiment l'unité d'infanterie que je voudrais développer, mais tout à la fin. Quand j'aurai une armée vraiment cohérente et complète, avec 150 soldats minimum. Parce que sinon, ça vaut pas tellement le coup. Surtout contre des bandits. Bref, alors j'étais à combien? Le problème, c'est que je ne sais pas combien j'en étais au charisme. Et je ne suis pas sûr parce que je crois que j'ai subi deux blessures. Et que du coup, mon commandement, pour que je l'augmente à 10, je crois que du coup, mon charisme est à 28 ou 29, je ne sais plus. Bon, on va augmenter l'inventaire. On va augmenter l'inventaire. Ça me semble être absolument primordial. Comme ça, c'est fait. J'aurai plus à m'y remettre. Voilà. Du coup, l'inventaire, il est beaucoup plus fourni. Voilà, on a déjà beaucoup plus de choses à mettre. Et ça fait plaisir, voilà. Bon, on va affronter d'autres bandits. 2-9. Tranquille. 2-9 en vitesse. Ah, là, c'est une map que j'adore. Très bien, pas trop vallonné. Comme ça, les archers vont se faire plaisir. Les fantassins un peu devant aussi, hein, il n'y a pas de respect. Et les cavaliers toujours à l'opposé. Voilà. J'ai pas masse de cavaliers, mais c'est pas grave, hein. C'est pas l'important. Ah, là, j'ai une armée qui commence vraiment à ressembler à quelque chose, ça fait plaisir. Hein. Surtout au niveau des archers, là. Oh, les archers. Ah, par contre, ils tirent pas parce qu'ils sont en dessous. Ils sont cachés par rapport à la colline. Ah, là, ils vont tirer. Massacre! On va quand même préparer les fantassins. Quel carnage. Hop, c'est parti pour les fantassins. Et les cavaliers sur les côtés, bah, ils peuvent charger. Hein. On se coucher. Oh la vache, il a bougé. Tiens. Pourquoi j'ai lance coucher alors que de toute façon, il y a un petit coup de lance, ça suffit à les tuer. Mon canasson, il inflige quand même 10 points de dégâts à ces fumiers là. C'est pas trop mal, hein. C'est vraiment un très bon chargeur. Mais par contre, il rame vraiment du cul. Je sais pas s'il est blessé en fait. S'il est blessé, faudrait que je le change. Je crois qu'il est blessé parce qu'il est vachement lent. Ah non, il est juste lourd en fait. Il est juste lourd. Ok. Bon bah, faudrait augmenter aussi l'équitation. Il y a plein de compétences que je devrais monter. J'ai vraiment, mais vraiment pas fini d'augmenter mon perso. Il est level combien? 23, ouais, ça va. Il y a quand même de la marge parce que jusqu'au level 30, il y a quand même moyen d'augmenter son perso au-dessus. Ça commence vraiment à devenir très très long. Donc il y a moyen que je l'augmente bien jusqu'à l'hypothétique niveau où ça sera vraiment, vraiment, vraiment galère. Voilà. Parfait. Hop. Recruter avec guerre toujours, hein. Ça, on change pas. Nord de troll. Alors c'est vrai que là, j'ai beaucoup de Nord qui traînent. Ouais, bon, de toute façon, les Nantes et les Nord. Hein. Je les recrute pas. S'ils sont bons, tant mieux. Après, s'ils meurent, bah, c'est pareil. Ça revient en même. Hop là. Quelques scouts, peut-être. Ou j'augmente les fantassins. Bon, je vais augmenter les fantassins. On va augmenter les fantassins. J'ai pas envie de faire une armée juste avec des cavaliers. C'est pas terrible. Hein. Surtout que j'ai pour l'optique de prendre un château. Et pour cela, ben, pour prendre un château, il faut davantage de fantassins et d'archers plutôt que des cavaliers qui, eux, ne servent quasiment à rien. Ou tout du moins ne valent pas de bons fantassins. Voilà. Ah, je suis trop lent. Rendez-vous ou mourrez, blablabla. Voilà, attaquer l'ennemi, je redescends. Ah, superbe. Ça, c'est un environnement superbe. Archer, placez-vous là. Je pense que là, vous aurez une très belle vue. Les fantassins un peu en contrebas, les cavaliers toujours à ma droite, tout au bout.
D'ailleurs, mes cavaliers, c'est principalement des héros, en fait. Eh, mais j'ai comme un Pikmin. Ah, j'ai pas fait gaffe à ça. Bon, bah, le Pikmin. Non, archimonté, piqué, voilà. Bon, piqué, tu te mets là. Allez, piqué, pratique contre les cavaliers, mais comme vous le voyez, en première ligne, bah, ils servent absolument à rien. Contre des archers, quoi, ils se font poutrer. Littéralement. Ah, merde. J'ai envoyé mes cavaliers beaucoup trop loin, j'ai pas vu qu'il y avait une rivière ici. Non, et revenez un petit peu, parce que du coup, vous servez à rien. Ah merde, ils me poursuivent les cons. Bon, du coup, hop. Hop. En attendant, le temps que les... Ah, j'aime pas les lorsqu'on check ce canasson, c'est trop chiant. Pas du tout maniable, le perso. Je me demande sincèrement si je devrais pas installer le mode Game Reco. Je crois qu'il s'appelait comme ça pour ensuite donner les ordres vis-à-vis avec des voix. Mais le problème c'est que j'ai peur qu'il y ait des... Que quand je commente la vidéo, il y ait des petits soucis. Mais pour moi ça me libérerait au niveau du clavier. Vous voyez. Je sais pas si... Je sais pas si vous connaissez, je l'ai testé ce mode il y a un an ou un an et demi. C'est un mode vraiment très très bien foutu. Je sais pas si je devrais l'installer. Pour le périple. Parce que, bon, il bug de temps en temps. Dans mes souvenirs, à l'époque, il buguait un peu. Il était pas... Disons que ça marchait à 80%. 4 fois sur 5, les ordres passaient plutôt bien. Donc, je pourrais le faire. Et ça me libérait, franchement, de voir toujours de penser, vous voyez, je tape 3, 5, F3, c'est... Bon, c'est pas grave, hein, mais... Pour ma part, ça me libérait un petit peu. Puis pour vous, je sais pas ce que vous en pensez. Si vous trouverez l'idée classe ou pas, plus immersif, parce que vous voyez, j'aime bien l'immersion dans ce jeu. J'ai fait tout pour. Donc, à voir. À voir si vous voulez. Moi, je suis pas réfractaire à l'idée. Voilà, voilà. Village Ground. Ouais, vas-y, Village Ground. Quelques sergents. Et Mathilde qui a passé un level. Très bien. Bon bah c'était bien comme petite escarmouche, j'ai fait combien, je veux dire en renommée, ouais très bien. Rapport, renommée, 557, ok. Encore 250 points de renommée, je pense qu'on pourrait attaquer un château. ça va être long les gens, ça va être très très long, j'espère que vous aurez la patience pour. Et qu'est-ce que je fais là? Ah oui Mathilde, elle est pas équipée du tout. Bah il est, je sais pas, on devrait dire il. Est-ce que tu peux t'équiper de ça? Non. 14, non c'est tout pourri. Je vais te prendre ça en fait parce que je vois pas pourquoi t'as ça. C'est une hache à deux mains ça? Ah deux mains, non, ok j'ai rien dit. Du coup tu vas prendre ça, hop là. Hop, niveau, hop là, beau tempo. C'est pas terrible à ce que tu as Mathilde hein. Alors, vraiment pas terrible hein. Faut te coiffer hein. Alors compétences pour toi, toi t'es une guerrière donc je vais pas réfléchir. Intelligence un petit peu. Et on va augmenter ta puissance de frappe. Ah, je sais pas si on doit dire elle ou il maintenant. Quel bordel ce perso, quel bordel. Pourquoi t'es devenu comme ça? C'est pas vrai ça. Et athlétisme, un point. Hop. Archer, Vegir, toujours. Des sergents qui deviennent des Varakan. Voilà. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Est-ce que j'ai recruté ici ou non? Ok, mais personne ne me veut. Allez à la taverne, on va toujours en sonner, on connaît la chanson. Allez Yen, est-ce que je peux te recruter? 16 000 deniers quand même, toi tu vaux cher, hein, salopard. Tu vaux comme Ymira en fait, faut voir. À mon avis t'es très bien, de toute façon t'es un warrior, t'es un vrai, t'es un dur, t'es un puissant. De toute façon j'ai beaucoup de liquidité, je peux me le permettre, hein, fuck it. Hein. Hop 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 hop. Je ne m'entoure que des meilleurs. Et ouais. Comme en vrai, quoi. Alayen, du coup, c'est quoi tes compétences, toi? Oh putain, la force 40, quoi. Si ça, c'est pas un perso pété, je ne sais pas ce que c'est. Hein. bah, du coup, hein, hop. Je te laisse fantassin. Jusqu'à ce que je trouve un canasson pour toi. Et tu deviendras un cavalier. Ok, c'est parfait. Bon,
Est-ce qu'il n'y a pas du neuf au niveau de la guerre? Enfin, c'est vrai que là, j'ai pas fait grand-chose. Au niveau de mes blessures. Ouais. Vous savez quoi? On va attendre un petit peu. On va voir ce qui se passe. Voilà, on attend. Oh, c'est sous séquestre. Oh là là. Mais je suis quand même positif par rapport à la solde. Donc ça, c'est nickel. C'est très bien. C'est très bien, mais repose-toi du con. Ah, base dure. Ouais. Blablabla. Sargotte, c'est pas bien Sargotte. Faudrait prendre Sargotte en fait. Comme ça, on serait libéré des Nordiques qui nous feront vraiment chier. Parce qu'ils nous font vraiment chier. C'est pas vrai cela. Ça, ça fait une faction en moins. Ah ouais, mais ta gueule. Voilà. J'en ai rien à péter. Là, vraiment, le problème, c'est vraiment de pouvoir s'occuper du moral de tous nos héros et de tous les contenter, ce qui est loin d'être facile. Ce qui est vraiment très loin d'être facile. Ah, je voulais partir. Parce que là, c'est vrai, niveau moral, je sais pas, 81, ça va encore, allez, Yen. 90, ouais, il perd déjà beaucoup de moral, je trouve. 87, 99... 99 99 Non mais si on gagne des batailles, ça devrait le faire, ça devrait le faire, pas trop de problèmes. Bon bref, nous avons des bandits de la toundra qu'on nous pourrons revendre. Oui, moi je vais continuer, moi je suis pas fou. Oui, je vais continuer. De toute façon, moi tout ce que je veux c'est progresser avec les Vaegir, avoir une puissante armée de Vaegir et ensuite, je sais pas, prendre un château. Donc voilà, je prends des châteaux comme ça random. Voilà, je commence à avoir beaucoup de recrues. Beaucoup de recrues, c'est nickel. Voilà. Est-ce que je peux essayer de prendre ce château là-bas? Ça risque d'être tendu, mais c'est pas impossible. Oh, toi par contre. Toi par contre, je vais te me faire 5, 4, 7. Ah, je suis pas assez rapide. Oh, génial! Génial, génial. Grâce à la magie de la map monde, j'ai pu le récupérer. Ah mais c'est con, mais je vais vous parler, je sais pas, mais... Vous voulez pas. Moi c'est pas grave, meurs. Alors que pourtant vous allez tous mourir, c'est un fait. C'est un fait, mais voilà, vous n'en faites qu'à votre tête. Alors là par contre, j'espère que là ils vont pas faire trop leur mijaurée. Avec des cavaliers, non, c'est principalement... ok, cavalier, vous chargez. En attendant, je me prépare la suite. J'ai pas de cavalier. Tiens, le seigneur nordique, là, qu'est-ce qu'il fout? Voilà, par contre, là, non, c'était pas le bon qui... Ah, putain. C'était pas le bon, là. Je sais pas ce que vous avez fait, là, au niveau de la charge, mais c'était pas le bon. C'est pas celui que je voulais que vous tiriez dessus. Voilà, restez là, vous. Voilà, et comme ça, les archers... merde. Ah, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Archer là-bas. Fantassin ici, voilà. Non, de non. Putain, le nombre de recrues assez abyssal que j'ai. Ouh, là c'était chaud quand même. Hop là, les fantassins, vous pouvez charger. Les cavaliers, vous pouvez charger aussi. Je sais pas trop ce que ça donne au niveau des cavaliers. Tiens. Tiens. Level up. Oh, la chambre, jolie toi. Ah non, mais bravo, bravo. Je dois l'admettre. D'ailleurs, je vais même aller ailleurs. Parce qu'il y a un cavalier. Non, c'était qui là? Ah, merde. Là, c'est mon piqué. Oh, le piqué, il est fou. Oh, le piqué, il est fou. Au corps à corps, que ça pique, rien à foutre. Digne des plus grands de la WNL. Sans déconner, c'est ça. Oh, merde. C'est quoi ça? Recrue vegan, non, c'est bien. Ah, un petit problème au niveau du front. Du flanc droit, apparemment. Non, ça passe. Non, c'est une course poursuite. C'est lui quoi qui vient? Allez, voilà. Manque d'incapable. Moi, ouais, c'était assez rapidement fait là. Ah, j'ai comme situé. Ça fait chier comme situé. C'est trop. Mais comme il n'y a pas de compétences de chirurgie, tout ça dans ce putain de mode, ça va être compliqué. Hein. Bref, c'est compliqué quand même de faire ça. Scout, comme je vais en prendre un peu de scout, des sergents, lineman, nickel. Ah, des linemen, ils ont quand même des épées. Ok, d'accord.
C'est bon à savoir. Du coup, je peux en faire sans trop me soucier de leurs problèmes de corps à corps. Ok. Ok. Et là, il y a pas mal de choses à prendre au niveau de l'armement. Donc on prend. Et on va bien voir ce qu'on pourra mettre sur nos héros. Voilà. J'ai fait ça, puis je pense que je pourrais m'arrêter là pour cet épisode. La 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 la. Scout. Sergent. Recrue. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est des patrols, je vais rien de péter. Quoique, il y a comme des Vaguires à choper, mais oui, mais c'est pas moi qui les ai. C'est pas moi qui ai engagé le combat, donc je pourrais pas choper le prisonnier. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais équiper effectivement mes héros qui n'en étaient pas très bien, comme Mathilde. Ça te va ça, putain. Non plus. 10 en force, tu n'as pas 10 en force, ok. Ça. Ok, donc tu sers à rien dans ce cas-là. Je peux pas t'équiper de ça. Nizar. Bon, ton petit chapeau quand même. Hein, ton petit chapeau. Putain, mais. Fuck you! C'est pas vrai ça, je pourrais pas les équiper normalement ces cons-là. 34, 27. Allez, bon, non, il a pas 10 en force. Ok, bon, on va tout vendre, c'est pas grave, hein, bande de tafiole. Pas capable de porter ça. Ah, toi si par contre. Bien, ça va, c'est bon, ça va. Et par contre, c'est vrai qu'il faudrait que je change un peu de tes uns, parce que c'est pas terrible. Le bâton, donne-moi ça. Quoique une hache comme ça, c'est pas terrible. Ouais, ça c'est bien ça. Très très bien, nickel. 20. C'est bon. Ok. Ok, c'est très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais me pioter dans une ville. Alors, on va la cure, on va tout vendre. Oups. Rien à péter. Esmeralda, on recrute. Boum. On va aller se reposer. On va attendre que nos compagnons se reposent bien comme il faut. Récupèrent de toutes leurs blessures. Et je pense qu'on pourra rattaquer un autre épisode où je vais tout simplement faire la suite de mon petit farming dans les plaines, dans les steppes et dans la toundra. Parce que là, il faut quand même avouer. Sargotte, voilà. Je vais vraiment prendre Sargotte. Shellbeck, je sais pas, et ça me tente ce château quand même. Faudrait tester Shellbeck. Voilà, Shellbeck à tester. On va essayer de le prendre, ce château. C'est décidé. Voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, salut à tous!